Hey tout le monde, c'est Shinesh 2, chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un vlogmas épisode numéro je ne sais combien, mais bref, aujourd'hui je suis trop contente d'être en vlogmas avec vous, avec mon petit gangan. Je suis trop excitée puisque today on va tout simplement faire le sapin de Noël de ma mamie, mais c'est un peu compromis parce que ma mamie elle m'a dit qu'elle fait les travaux chez elle, donc forcément c'est le bordel, elle a pas la place, mais c'est pas grave, cet après-midi je vais chez ma mamie et je crois que ça c'est plus important. Ce matin dans mon calendrier de l'avant, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai une boule blanche. J'étais trop contente et refaite. Et ce matin, j'ai refait un matcha limonade, lait, glaçon. Et avec un peu de matcha, bien sûr. Ça va, c'était bon. Je comprends les gens qui deviennent addicts parce que c'est. Je sais pas, genre, je pense qu'il doit y avoir des substances là-dedans. Mais voilà, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va un petit peu se motiver ensemble à travailler, à bosser ensemble, tout simplement pouvoir avancer au mieux dans le taf, dans les vidéos. Donc, au programme aujourd'hui, il faut déjà que je me prépare, que je me douche, que je me maquille si j'ai envie. Alors, filmer des podcasts. Je pense que je le ferai demain parce que là j'ai pas du tout envie. Il y a mon petit gangan qui est avec. Bah oui mon gangan, t'es beau. Bah oui. Hier je voulais jouer à Pokémon sauf que je l'ai pas fait. J'ai pas joué à Pokémon, oupsie. Mais c'est pas grave, sinon il y a aussi le fait qu'il faut que je commence un peu mon plan, enfin mon planeur, mon nouveau petit Rise and Shine. J'ai trop hâte de tester un peu pour m'organiser. Et voilà, donc petite journée sympa, un peu chill, j'ai hâte. Bon, on va se préparer puisque je suis tout le temps en pyjama, j'ai l'impression, et vous devez en avoir marre. On va prendre la petite douche et ensuite, faut vraiment que je me bouge pour aujourd'hui. The outfit of the day, moteur, enter. Comment ça va? Non, j'ai connu. J'espère que vous avez la ref, c'est une ref TikTok. Je sais pas à quoi je ressemble avec les cheveux comme ça. Je suis habillée exactement comme hier, mais ce pull, il est trop joli. Vraiment, on se croirait dans Animal Crossing avec un jean blanc. Et j'ai mis les chaussettes qui ressemblent aux vaches en crochet. Je sais pas pourquoi, ça me fait trop penser à ça. Donc voilà, ce matin, faut que je fasse deux miniatures, une Animal Crossing et une pour le vlog de ce soir qui sortira donc hier. Enfin bref, c'est déjà sorti. Et ensuite, qu'on continue un peu. Enfin, du moins que je commence à faire mon planner. Rise and Shine pour un peu te tester. En tout cas, il a l'air trop cool et la vibe, c'est clairement genre ma couleur, c'est moi, c'est ma vibe, je suis trop contente. Et ensuite, cet après-midi, je vais chez ma mamie, petit reminder pour vous dire, les gars, envoyez un message à vos grands-parents, c'est trop important. Donc moi, petit message pour ma mamie, on s'est parlé un petit peu ce matin comme ça. Eh bien, là, des nouvelles de moi, je la vois cet après-midi, je suis trop contente, vraiment, genre, ma mamie, c'est trop une personne importante pour moi, je sais pas pourquoi. Un gangan. Bien que je sois dans le noir, les gars, je suis beaucoup trop contente et impatiente de vous faire voir. Ma mère, hier, elle a fait les cadeaux de Noël et tout. Promis, je me suis pas encore spoil les cadeaux parce que moi, j'ai une faculté pour me spoil tout ce qui est cadeaux de Noël et tout. Mais là, promis, je n'ai rien fait de mal. Elle m'a montré qu'elle a acheté un petit coussin pour Gandhi et Minou. À savoir que le coussin est quand même petit. Faut pas trop que je me spoil les cadeaux. Ok, là, je veux des nouveaux cadeaux qui arrivent. Oh, regardez nos boules de Noël et tout. Elles sont trop jolies. Oulala, punaise, ma mère, elle a fait des cadeaux là. J'ai acheté trop de trucs. Bon, sans que je me spoil trop les cadeaux. Regardez ce qu'elle a acheté, un pouf de Noël pour Tekel. Je crois que c'est pour Tekel, ça. Regardez comme c'est petit. Je sais pas si Gandhi va rentrer dedans. Voilà. Bon, après, j'ai évité trop de me spoil parce qu'il y a plein de cadeaux du Père Noël qui sont déjà là arrivés. Enfin, bref, je peux pas trop vous dire. Mais voilà, voilà. Hier, Gandhi et Minou n'ont pas eu leur boîte. Ils vont être tristes. Que chaque soir, Gandhi, il en déprime ici à miauler. Mais vu qu'il miaule et qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son. Parce que je sais pas pourquoi il miaule, mais il n'y a pas le son. Sauf que quand des fois, c'est en rapport avec la bouffe, dès qu'il y a des croquettes et tout. Là, on l'entend, hein, Gangan, on t'entend. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un chat qui ne fait pas de bruit, sauf quand c'est de la bouffe. Et comme tous les matins, je regarde les vidéos de Petit Quick, ça fait peut-être 2-3 ans que je regarde ces vidéos ouverture calendrier de l'avant. Je sais pas, j'aime trop. Et là, je suis en train de faire le montage, enfin, du moins la miniature du Vlogmas qui est déjà sorti. Ensuite, faut que je fasse une autre miniature Animal Crossing. Et ensuite, faut qu'on parle cadeau de Noël. Je pense que demain, j'achète un gros cadeau de Noël. Les vrais savent très bien de quoi je parle. Maman, si tu regardes ça, attention. Mais je crois avoir choisi la couleur parce qu'en fait, si je choisis une autre couleur, ça coûte 300 balles de plus. Donc on va y aller mollo. Mais voilà, je pense avoir choisi. Heureusement que je fais des vlogmas, heureusement que je fais des vidéos. Hein. Ah, parce que moi, gueule marque que je suis, si c'est pas remboursé dans ma tête, c'est finito. Bref, on va faire du carnet Rise and Shine après de détendre. Parce que sinon, ça, je vais être au bout de ma vie. Mais voilà, regardez à quoi ça ressemble. Bon, si mon écran est orange, c'est normal. Voilà. Là, on a le matcha, etc. Très très sympa. Et on va continuer. Je suis trop contente. Je viens d'apprendre à l'instant que sur Twitch, on peut ajouter des nouvelles émotes. Donc moi, je me suis permise de mettre des émotes de Gandhi. Donc regardez-moi ça comme c'est beau, ceux qui sont sur Twitch. Coucou
guys. Du coup, faites pas gaffe à mon bras de micro qui est trop peur à chaque fois dans mes vidéos. Vous voyez un gros truc noir, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est? Donc je pense que je vais utiliser ce matin le fameux carnet de Léna de Rap. C'est pas du tout une sponsor, je l'ai payé de mon propre plein gré. Je vais pouvoir un peu lire les pages et voir comment je peux m'organiser, parce que là j'ai besoin de m'organiser. Vu que ce matin j'ai vraiment pas envie de filmer de podcast, et sachant qu'il faut que je filme deux podcasts obligatoires, sinon je suis dans la mouise. Il faudrait aussi que je fasse une vidéo ASMR, enfin bref, c'est un peu le bordel. Mais bon, écoutez, nous on est comme ça, nous on se dit aujourd'hui on n'a pas envie de bosser, bien qu'il faudrait, là je suis en train de porter une vidéo YouTube qui ne veut pas du coup s'exporter vu que je ne peux pas être sur mon réseau. Est-ce que mon réseau de fibre il fonctionne? Bon, je suis actuellement en train de faire le bullet journal, enfin la bucket list un peu. Je me rends compte qu'en fait ma vie est vraiment pas ouf. Enfin, vous voyez les gens qui font des bucket list, eux ils veulent voyager, avoir ça, ça, ça. Et moi je me dis mais ma vie est nulle. Enfin, il n'y a pas de 36 milliards de trucs, c'est un peu pas ouf. Donc écoutez, on va essayer de faire une belle bucket list. Ici Charline qui est en train de se maquiller. Enfin là, je mets actuellement mon petit sérum pour faire pousser les cils. On met bien en bas, on remonte pour bien que ça fasse œil de bad bitch. Pour avoir des cils longs, voilà, c'est l'astuce. On veut des cils extrêmement longs ici, peu importe ce que ça donne, mais voilà, voilà. Il est bientôt 11h, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Je déteste, par exemple, hier j'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, bah là, vous voyez, j'ai pas fait grand chose et je m'en veux. Mais de l'autre côté, je me dis, mais Charline, repose-toi après toutes ces années de merde que t'as vécues à l'école, au collège et au lycée. C'est bon, t'as bien le droit de, pendant une matinée, de rien faire. Enfin, rien faire. J'ai quand même fait les miniatures, exporté les vidéos, etc. Enfin, et je suis en train de vlogger. Mais vous voyez, c'est pas non plus un travail très acharné. Moi, j'ai pu tester le début du bullet journal Rise and Shine. Et franchement, bon, peut-être qu'il y a certains trucs sur l'organisation, ça me correspond pas tout à fait, mais j'aime beaucoup l'idée, l'esthétisme et tout. Donc, honnêtement, je mettrais un bon 8 sur 10 parce que c'est super cool au niveau de l'organisation. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui manquent, mais après, ça, c'est mon organisation à moi, donc forcément, ça peut pas s'adapter à tout le monde. Mais il y a plein de trucs trop bien. Vraiment, si vous êtes dans un moment où vous avez besoin d'organisation, ça peut être que trop pratique. Donc, moi, je le conseille. En plus, l'esthétisme, c'est clairement mood et tout. Et j'adore. Enfin, en rose comme ça, c'est trop beau. Donc, voilà, voilà, j'ai trop hâte d'être cet après-midi pour être avec ma mamie. Je vais trop vous la présenter. Je sais pas si elle va être d'accord. De toute façon, je la filmerai en scred. Elle est trop. Ma mamie, vous l'avez déjà vue dans mon vlog bal du lycée. Et vous l'aviez adorée. Vous avez dit, ouais, vous avez grave une compétence. Mais ma mamie, je l'aime trop. Elle est trop iconique. En plus, elle est en train de refaire chez elle et tout. Elle est trop, trop bien. Bam, je me suis enfin maquillée. Ça m'a pris pas mal de temps. Mais bon, avoir des longs cils, c'est tout un art. On va pas se mentir. Donc voilà. Bon, malheureusement, j'ai toujours un problème. Ce cil est moins long que lui. Mais je crois que ça vient du fait que la nuit, je dors de ce côté. Donc je pense qu'après, Charline, faut que tu sois indulgente envers toi-même. Nous ne sommes pas symétriques, les gars. Donc c'est ok de ne pas avoir le même profil. Mais je sais pas pourquoi, dans mes photos ou même dans mes vidéos, vous voyez toujours le mauvais côté. Genre ici, vous le voyez tout le temps. Alors c'est ce beau côté. Bon, sinon, ma mère m'a acheté du nouveau déo pour ça, vous en foutez. Mais écoutez, les gars, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, prendre du déodorant en stick comme ça et pas en pchit, parce que le pchit il est pas très bon pour la santé, donc ça c'est mieux. C'est parti. Je suis en vlog et la meuf s'endort quoi, super. Allez, on y va. Oh, y a pas que ça à faire. Mais je sais plus ce que je voulais. Ah oui, je voulais prendre ma veste. Il a dit, Charline, c'est toi. Et bah, tu lui dis que c'est pas moi. Des U. T'as trouvé? Non. Là, des U. Par contre, oui, la longueur que ça fait. En plus, il est pas tout blanc, il est sale. Il est sale, c'est du parcelle. 2,5 cm. Bon, à peu près 2 cm à quelque endroit. Arrête tes conneries. Mais il y a tout qui est pourri, mamie. Oui. Tout est pourri. Même mamie, elle est pourrie. Non, t'es pas pourri. Ah bah. Au minimum 50 euros le plus minimum. Autrement c'est plutôt 100 euros, hein. Un beau. En faux? Ouais. Bah ça. Sinon ça. C'est cher, je sais pas. Ah ouais, mais c'est cher, oui. Et puis après j'ai rempli d'eau. Bonjour, vous voulez un petit, hein? Quand vous voulez un petit, bah t'en as eu un grand. C'est plus chaud comme ça. Il est bien beau. Il va être magnifique. Il va être magnifique. Il va être magnifique. Magnifique, magnifique. Il fait bien noir là. Ouais, mais tu peux pas nommer, tu vas m'allumer, tu verras bien. Oh, mais c'est un danger ton truc. Ah, mais attends qu'il y a des caries. Ah, c'est bon, non? Ah, bah là, oui, tiens. Je pense pas. Et voilà. Et voilà. Là, si on pouvait mettre de l'eau. Il est beau. Oui, il est beau. Mais arrête de le secouer. Mais c'est exprès pour que tu mettes en place. Tu lui fais mal. Il souffre. Il
l'a dit. Ouais, il m'a dit qu'il a mal. Il va pas être plus petit. Oui, mais il va pas, non seulement il va pas être, mais il sera plus petit. Il va être plus petit. Deux. Non, mais tu penses que la hauteur comme ça, c'est mieux ou si c'est mieux par terre? Toujours en vie, la grand-mère? Vas-y, elle est trop lourde, je peux pas la monter. Ah, tu veux de l'aide, je pense. Oh, ce gros truc, oh là, non, non, ça, c'était trop lourd. T'as une belle table maintenant. Mommy! Allez, mommy! Oui! Si, ça va. Ça va. Dans l'autre sens qu'il faut. Ah, si, ça va. Mamie, où es-tu? Oh, mais en plus, si tu me lâches les pièces sur le garage. Un peu plus, un peu moins, tu sais. Bon, on va. Ouais. Et puis après, j'ai mis de l'eau. Ouais. Et puis quand c'était plein d'eau, ben, le morceau de bois, il s'est mis à la surface, le bassin, le sapin a tout basculé. Et il est mort? Non, mais il y a tout ça que je récupère, quoi. Alors que. Allez, momie, on croit en toi. Elle est un peu grosse, celle-ci, hein. C'est pas grave. Quelle idée, la grand-mère. Quelle idée de faire un sapin de Noël. Ah bah oui. Avant, les panettones étaient toujours dans les boîtes pour Noël. Bah, je sais. Alors que maintenant... Alors, qu'est-ce que de la neige? Avec une boule. Vous voyez là, c'est une boule rouge. Là, c'est du merdier. Ouais. Universel. Ah, des boules rouges. Ah bah voilà. Voilà. Et... des boules rouges et de la guirlande. Et ben voilà, mamie. Est-ce que tu crois qu'on aura tout ce qu'il faut? Mais oui, il y en a assez. Est-ce que je mets la guirlande électrique et après tu te démerdes avec le reste? Bah tu fais avec moi, oh. Ah bon? Bah oui, t'as cru quoi? Mais je sais pas, je te dépasse. Ah bah bien sûr. Une odeur quoi? Intempestive. C'est quoi intempestive? Ah, mais il y a une boule qui est cassée. Tu veux clairement que je me coupe et que je me fasse mal en plus? Dis-le hein, si je te saoule. Ah ouais, d'accord. Waouh, il est beau le sapin. Qu'est-ce qu'on pense? Oh, ça pue. Ça sent mon traumatisme quand j'étais petit. Bah, tu m'as jamais dit que ça a l'odeur du... Ah, l'odeur, je te dis, ça a le goût de framboise périmée. Bah, quand t'étais petite, non, tu devais pas dire que ça sent le Covid, parce que le Covid, il n'était pas là. Hein. J'étais précurseur, en fait. Personne m'a écouté à cette époque, j'avais déjà pris le Covid. Oui. Non, je ne sais pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, Marie? Je vais te laisser un petit moment faire tout ça. Je vais aller voir les chevaux avant que je t'assume. Ok. Ça t'embête? Bah non, du coup, j'ai pas le choix. Regardez-moi ce beau petit sapin, les gars. Pour un petit sapin acheté pas non plus trop cher, je trouve que ça fait grave le taf. Honnêtement, je suis trop contente puisque bah, je suis avec ma grand-mère. Donc forcément, pour faire un vlogmas, c'est juste incroyable. Là, elle est partie aux chevaux, c'est-à-dire qu'elle est donnée à manger à ses 3 chevaux. Donc je suis un quart d'heure toute seule et là, je suis actuellement donc chez elle pour continuer à faire la déco. On va continuer à faire la déco de mon côté toute seule. Et après, quand elle sera là, bah, comme ça, elle verra un peu le résultat. J'ai rajouté des petits nœuds, je pense qu'on voit ici en haut. Ça rend trop bien, franchement. Même si c'est pas le sapin le plus beau, le plus joli et tout, bah, franchement... c'est fait avec le cœur. Ne tombe pas, mamie. Tenez, Marie. Ouais. Elle est bonne comme ça? Oui, elle est bonne comme ça. C'est bien, t'inquiète. Oh my god, les gars, je viens actuellement de monter une partie du vlog avec ma grand-mère. Mais genre, c'est peut-être pas le meilleur vlogmas avec les meilleurs plans, la meilleure luminosité, la meilleure qualité. Mais c'est celui qui me tient le plus à cœur en fait, parce que c'est clairement fait avec le cœur. C'est passé un trop bon moment avec ça. Vraiment, petit reminder, les gars. Allez, envoyez des messages à vos grands-parents, à vos parents. Passez des moments en famille comme ça, c'est juste trop bien. Et sincèrement, c'est trop cool cet après-midi de pouvoir faire son petit sapin, sinon elle l'aurait même pas fait. Donc là, vu que j'étais là, on en a profité pour faire son sapin, que ce soit l'esprit de Noël. J'ai pas non plus trop vlogué parce que un peu de respect pour ma grand-mère que j'aime tellement. Mais voilà, c'est trop cool. Je suis en train de faire juste la première partie, c'est-à-dire les cuts. Donc en gros, il n'y a pas le montage, les zooms, la musique, quoi que ce soit. C'est juste vraiment visualisé avec les coupures. Et comme on peut voir, il y a pas mal de choses. En même temps, je regarde une vidéo de Julianne, youtubeur que je conseille 200% sans réfléchir. Oh my god, les gars, je viens d'apprendre un truc horrible. Et j'ai trop le seum. Je déteste l'injustice. Et là, je suis en mode, vous voyez, dimanche, je pars au Maroc. Voilà, je vous l'annonce.
officiellement. Je vous avais demandé dans le dernier vlog, devine où je pars. Je pars bien au Maroc, comme l'année dernière, à Marrakech. Trop hâte. Un endroit où il fait beau, il fait chaud. Sauf que cousin vient d'apprendre qu'ils lui ont collé des la semaine prochaine, donc il ne peut pas venir. Ça doit être horrible. Donc je pars avec le père de mon cousin et son frère, notre cousin, ne pourra pas venir. Genre des partiels. Il était pas au courant et là il a des partiels la semaine prochaine. Donc il ne peut pas prendre l'avion. Et non, mais franchement, le niveau de seum. Enfin, après, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais à quel moment on te colle des partiels comme ça? T'es pas au courant la semaine prochaine? Semaine juste avant Noël. Enfin, c'est pas humain, c'est pas. Non, horrible. Oh non, j'ai trop le seum. C'est la vie. C'est sur ce que ce petit vlog va s'achever, exactement comme hier, au même endroit. Je crois qu'on peut pas faire mieux. Ou dans l'avant-dernier vlog. Bref, je vous fais de gros bisous. Moi. Bisous!